Bon matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver et bien dans cette nouvelle semaine, la troisième semaine de ce mois de septembre. Nous sommes lundi 16 septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez aussi passé un joli week-end. On va continuer avec l'oracle de la forêt de Gaïa, ce merveilleux oracle, n'est-ce pas? Chaque carte est un portail, eh bien, vers un royaume où passé, le passé et présent se rejoignent, offrant ainsi, eh bien, des éclairages et des conseils à ceux qui sont en recherche, qui sont en questionnement. L'oracle de la forêt de Gaïa, eh bien, est avant tout une connexion avec vous-même. Chaque carte sera en connexion avec vous-même. Il vous rappelle que vous êtes l'artisan de votre vie. Et les réponses, n'est-ce pas, que vous cherchez, eh bien, elles se trouvent déjà en vous. Alors, certaines cartes peuvent vous plonger dans des profondeurs de votre être pour trouver les réponses que vous cherchez. Et encore une fois, eh bien, il y aura des réponses positives et il y aura des réponses négatives. Soyez bien à l'aise, n'est-ce pas, pour prendre ce qui vibre avec ce tirage, ce qui vibre avec vous, en vous, n'est-ce pas? Alors, pour commencer, eh bien, la petite philosophie du matin et pour terminer, le petit oracle des anges gardiens. Et aujourd'hui, la pensée positive est bâtisseur. S'il n'y a pas de bâtisseur, il n'y a pas de maison. Ainsi, derrière toute réussite, eh bien, il y a une volonté. Eh oui, c'est tout à fait bien vrai, hein, ça. Alors, pour aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé le chemin. Il va peut-être avoir des choix à faire. Le chemin, c'est une guidance de long terme, représentant le parcours de vie à la recherche de sens. Eh bien, en incarnant la quête de soi, ce chemin, eh bien, il nous invite à l'aventure et à l'exploration, rappelant que chaque pas compte et que nous façonnons notre propre destinée. Alors, oui, le choix, il va avoir un choix à faire. Ça peut être une aventure, un choix dans une aventure, une détermination, peut-être un choix dans une croissance quelconque, dans un objectif. En tous les cas, cette carte, elle met en lumière un choix de vie à effectuer. Il représente vos décisions et les directions que vous prenez. Il symbolise, eh bien, la progression, l'évolution et la quête de sens. Il vous rappelle que chaque décision que vous prenez peut influencer votre destinée et vous mener ainsi vers de nouvelles expériences et opportunités. Vous êtes peut-être dans une impasse. Il vous faut peut-être plus d'éléments pour pouvoir continuer à avancer. Je vous invite à poser votre question. Je vous laisse un instant. Et la réponse à votre question, c'est non.
Cette carte, le chemin, indique qu'il peut être préférable de reconsidérer vos choix actuels. Tout simplement, vous n'avez peut-être pas assez d'éléments pour parcourir ce chemin que vous avez pris. Rappelez-vous que chaque détour sur le chemin peut être porteur, eh bien, de bénédictions inattendues. Vous savez, l'univers, eh bien, il vous guide toujours vers ce qui est le mieux pour votre évolution spirituelle. Vous savez, si maintenant vous rencontrez des embûches sur ce chemin, c'est que l'univers, il sait qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Il se peut que des leçons importantes doivent être apprises, ou encore que des ajustements doivent être effectués, eh bien, tout simplement avant de pouvoir avancer de manière, eh bien, plus aisée, plus alignée, plus épanouissante. Voilà, vous avez besoin peut-être beaucoup plus d'éléments de ce que vous avez. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans une impasse, parce que vous n'avez pas tous les éléments pour continuer, eh bien, sur cette voie que vous avez prise. Et peut-être que cette voie que vous avez prise n'est pas la bonne. Peut-être que il faudrait prendre une autre voie, un autre chemin, qui sera peut-être plus salutaire pour vous. Donc voilà pour le chemin. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé dans le petit oracle des anges gardiens, compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même, abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser, eh bien, la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Ayez de la compassion pour vous, s'il vous plaît. Arrêtez de vous critiquer. Eh bien, c'est un très beau message des anges, n'est-ce pas? Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.